Mon mandat en tant que conseillère communale en charge de la culture est de soutenir toutes ces initiatives privées et publiques, car nous avons plusieurs associations qui promeuvent la culture au sein du village et en dehors des frontières communales et cantonales, avec d'innombrables artistes également de renommée internationale comme Valentin Caron, comme Josette Aramarkat. Notre commune est longue de 7 km. Le canal traverse tout notre village, qui peut être un lien entre la rive droite et rive gauche. D'innombrables familles et passants viennent se balader. Et pourquoi pas un musée à ciel ouvert autour du canal. C'est une réflexion qui est aussi en train de se faire. Ce sont des lignes directrices sur lesquelles on peut se baser pour le futur. Parce qu'actuellement, plein de choses se font, mais a-t-on vraiment une politique culturelle ? Il y a plein de coups de cœur, mais si je devais vous en dire un, j'ai une histoire particulière avec une artiste de Fuy depuis qu'elle est sortie de son école de photographie à Vevey. Donc elle avait 18, j'en avais 19. Elle devait faire un book, elle m'a contactée pour quelques photos sur la Riviera. Donc notre histoire est partie comme ça.